Au moment où je voulais vous poster la vidéo sur AliExpress, j'ai reçu entre-temps ma commande suivante parce qu'en fait, comme je vous ai dit, les commandes que j'avais Sont faites arrivés. séparément. Donc, j'ai pas voulu vous faire une autre vidéo, je l'ai rattachée avec la première vidéo que vous allez voir par la suite. Donc, on y va. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens avec une nouveauté. J'ai testé pour vous le site chinois AliExpress. Je me suis dit, je vais tenter, je vais tester et je viendrai vous faire un update de ce que j'ai commandé. Est-ce que ça vaut le coup ou Donc, pas? Il y a un peu de tout, un peu de cuisine et un peu pour moi, skincare et tout. Bref, allez, on y va. Ici, c'est quoi? C'est des bandeaux. De quoi? Vous allez me dire. Alors, c'est des bandeaux pour les mains. C'est des poignées à mettre pour les mains, les deux. C'est ça qui est bien. Donc, c'est des bandeaux pour femmes en microfibre. Et quand je fais ma skincare routine le matin et surtout le soir pour me démaquiller, vous êtes là quand vous mettez les produits au visage, sur votre visage, et quand vous lavez le visage, vous avez l'eau qui dégouline sous vos bras et tout. Vous êtes là à essayer d'essuyer et vous êtes un peu énervé. Vous dites, ah là là, vous mettez à côté votre serviette. Alors que j'ai trouvé ça vraiment sympathique et vraiment à tester. Mais vu les échos et les avis très positifs sur le site, je me suis dit, je vais Franchement, tester. étonnant. La matière, elle est très agréable parce que c'est du microfibre et ça adhère bien aux poignets. Et quand vous lavez, eh ben, il y a l'eau qui empêche de tomber et de couler au travers de votre coude. Donc j'ai pris d'abord en premier lieu rien qu'une paire de bandeaux et celle-ci elle m'a coûté 86 centimes. Nous continuons avec, ben, ici c'est un mix de serre-tête bandeau qui fait fureur et vraiment au niveau de la matière et tout c'est bien. Quand on veut par exemple faire notre skincare routine, ou par exemple se maquiller et tout, vous avez ce bandeau qui vous ramasse tous vos cheveux et vous avez ben voilà, vous pouvez attaquer votre skincare routine ou votre make-up. Et c'est vendu avec la poignée en microfibre. Et celle-ci, le bandeau plus la poignée, je les ai achetés à 2,65 € et j'ai pris une autre couleur, la rose, et vous avez le noir. Vous pouvez aussi trouver, il y a d'autres coloris sur le site. Et franchement, je ne suis pas déçue de mes premiers achats. Donc, je vous montre le noir. Il y avait du bleu, du gris, de toutes les couleurs. Franchement, ils sont bien. Voilà. Et j'ai pris un bandeau pour cheveux. Donc, c'est un bonnet en satin. Comme ceci. Franchement, moi parfois, quand je fais des soins pour mes cheveux ou quand on n'a pas envie d'avoir des cheveux emmêlés, on se retrouve avec des nœuds. Franchement, mettez enfin, vous protégez vos cheveux dans un bonnet en satin et le matin, vous vous réveillez, vous retirez et vous avez des cheveux, on va dire, soyeux. Ou sinon. Donc ce bonnet de nuit, franchement, il est très agréable à porter. Vous avez ici le bandeau qui maintient bien votre tête. J'ai pris ce bonnet. Vous avez plusieurs coloris sur le site. Et celui-ci, je l'ai pris à 1,73 €. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé par tout ce qui est skincare concernant le bien-être. Donc j'ai pris une série de palettes de peignes multifonctions. En fait, c'est des peignes de coiffure multifonction pour barbier. Franchement, j'ai mon grand qui a des cheveux curly. Il aime bien les rendre curly. Et il lui fallait des peignes comme ceci
pour avoir pour dessiner les boucles, pour dessiner, pour avoir une belle chevelure, une masse. Bref, vous m'aurez comprise. Franchement, c'est des peignes de bonne qualité. Hein, c'est vraiment, vous avez toutes sortes. Vous avez celui-ci, comme celui-ci. Je vous montre. Comment on vous... Après, vous avez celui-là, celui-là pour définir les boucles et pour avoir l'effet recherché des boucles, des curly. Et celle-là, quand vous voulez faire, vous voulez dessiner une raie en plein milieu de votre tête, et ben, vous avez ce style-là. Bref, franchement, je suis ravie de mon achat. Pour l'instant, je suis plus que satisfaite du site. Et je vous dirai après par la suite au niveau délai de livraison et tout. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je l'ai pris à 3,33 €. Alors ici, nous avons une petite série de mini éponges pour fond de teint. Vous avez sur le site plusieurs coloris. Moi, ce qui m'a plu, c'est le fait d'avoir, vous savez, quand vous faites parfois le fond de teint ou surtout les lentilles cernes, franchement, parfois, vous mettez, vous avez ce style-là. Voilà, vous avez le petit bandeau qui serre bien votre doigt et vous tapotez sous le dessus de l'œil. Franchement, c'est tellement tout doux, agréable. Vraiment, je suis très satisfaite de cet achat parce qu'il m'en fallait. Et c'est bien, vous voyez, hein, c'est bien mou, c'est tellement, comment vous expliquer, la matière tellement c'est doux quoi. C'est des petits coussinets de la taille, vous voyez, de mon petit index comme ça. Et franchement, ça fait une bonne précision. Vous pouvez faire des retouches, c'est tout petit, donc vous pouvez glisser ça dans votre petite trousse de make-up pour faire une petite retouche en pleine période de la journée. Vous êtes au boulot, vous voulez faire votre retouche make-up ou quoi. Ça, franchement, c'est pas mal. Vous avez, moi, j'ai pris au début, parce que comme je vous ai dit, j'ai testé le site. J'en ai pris 5, mais vous pouvez prendre 50 comme vous pouvez prendre voilà une dizaine. C'est en fonction de votre achat. Donc moi, et il y avait plusieurs coloris. J'ai pris le plus simple. J'ai pris celui-ci couleur beige, couleur chair. Et franchement, regardez. Pour les mini éponges pour fond de teint, je les ai pris les 5 à 1,36 €. Maintenant, nous avons fait notre côté tout ce qui concernait le skincare et le bien-être. Maintenant, nous allons passer côté cuisine. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ce mousseur à lait électrique, mais pas n'importe lequel, un 2-en-1. C'est ça qui est super. Vous avez le mousseur de ce côté et de ce côté, vous avez un batteur électrique pour battre quand vous voulez battre des œufs ou une petite préparation et tout. Franchement, j'ai vu ça, j'ai craqué, j'ai dit je vais le prendre parce que ça fait double emploi. Et en plus de ça, il est électrique, donc il a une port USB, donc vous pouvez l'emmener partout. Donc vous pouvez faire mousser le lait où vous voulez, au café, enfin dans votre travail. Bref, il y a plusieurs coloris. Donc je vais vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le mousseur, il est ici. Et puis vous avez ici les batteurs. Vous avez le fouet pour lait. Vous voyez, il a un double fouet, on va dire. Parce qu'il y en a, ils en ont qu'un. Là, celui-ci, on dirait qu'il est bien professionnel. Et vous avez pour fouetter, battre les petites préparations. Vous n'avez pas une fourchette ou un fouet. Vous avez ce style de fouet. Donc, nous allons tester. Donc, vous avez ici, vous allumez. Et dis donc. C'est très puissant, regardez. Et vous avez plusieurs vitesses, c'est-à-dire que là vous arrêtez, vous faites vitesse 2, vitesse 3. Vraiment, c'est très professionnel. Vous entendez? Là, je vais retirer, je vais mettre l'autre pour essayer. Donc, vous
Vous avez ici la petite flèche qui indique, je ne sais pas si vous voyez, après il y a une petite flèche qui indique comme quoi vous devez le sens, comment enclencher votre fouet. Vous voyez, là il y a la flèche. Donc vous mettez la flèche qui est dessinée ici et non de ce côté. Donc vous l'avez ici et vous enclenchez comme ceci. Voilà. Et vous appuyez. Ah ouais! Regardez-moi la puissance, s'il vous plaît. Là, c'est que le premier. Donc si j'appuie deuxième, troisième. Ah oui! Vraiment, pour faire fouetter les préparations et tout, je vais vous faire après un crash test dessus. Vraiment, je suis plus que ravie. Hein. La puissance, waouh, vraiment pas mal. Et vous avez l'adaptateur, bref, pour le branchement pour port USB. Donc, ça se branche ici sur le côté du socle. Et vraiment, il est venu déjà chargé. Donc, je l'ai acheté à 5,49 €. Oui, 5,49 €. J'ai pris des mini moules à tartelettes en aluminium. Alors, il y en a 10. Et pour faire, vous savez, les styles de pâtisserie portugaise, les pastéis de nata. Le film, vous vous rappelez, je ne m'en rappelle plus du titre, mais si vous le connaissez, s'il vous plaît, écrivez-moi-le en commentaire. C'est le quand il dit pastel de nata, non, pastéis de nata. Bon, bref. Les mini moules à tartelettes, les 10 à 3,33 €, je les ai achetés. Donc, comme je l'ai dit, j'ai testé en tout premier. Vous pouvez faire tout ce qui est préparation sucré, salé, des mini-hardises, franchement, ça pour faire des mini-quiches, comme je vous ai dit, des mini-flans, comment on appelle ça, des cheesecakes. Bref, vous avez l'embarras du choix pour faire des mini-hardises. Et comme c'est bientôt l'approche des fêtes, ben voilà, vous avez ça à votre disposition. Vraiment, plus que ravi, 3,33 €. Puis j'ai pris ici, j'étais un peu sceptique au début, mais je crois que c'est moi qui ai fait l'erreur. Alors ça c'est quoi? Vous allez me dire, c'est des moules. Vous savez, les moules pour gâteaux voyage, les cakes. Donc ça se présente comme ça, avec son tube. Vous avez un moule à cake avec, vous savez, le trou. Pour après mettre à l'intérieur quand il cuit, soit vous mettez une ganache, du chocolat, de la pâte à tartiner, ou que ce soit sucré ou salé. Vous pouvez aussi faire du style, vous savez, les pains briochés, et après vous sortez, vous mettez une mousse. Bref, ça sert pour les sucrés et salés. Et franchement, au niveau de la qualité, elle est franchement, il n'y a rien à dire. C'est top, c'est anti-adhésif apparemment, c'est ce qu'ils disent. Ça c'est le tube, donc il est venu comme ça protégé. On l'enlève comme ceci, et puis après vous l'insérez comme ceci. Donc vous ferez avec des recettes. Voilà, comme ceci. Puis vous mettez à l'intérieur votre pâte, ça cuit comme ceci dans le four. Et après, vous le sortez, vous retirez le tuyau et il y a un trou au milieu de votre cake. Et vous le garnissez, comme je vous ai dit, soit de préparation sucrée, si vous faites quelque chose de sucré, genre un cake au chocolat à l'intérieur, cœur, ganache, Nutella, ou pâte à tartiner, goût pâte de spéculoos, sucre. pistache. Bref, vous avez l'embarras du choix. Et si vous faites un espèce de cake salé, vous pouvez aussi mettre à l'intérieur du fromage frais farci avec fromage frais avec je suis en train de penser, mais par exemple vous pouvez mettre du thon, une rillette de thon, une mousse de saumon, de charcuterie. Bref, vous avez l'embarras du Merci. choix. Je suis franchement heureuse de l'avoir acheté. Et celui-là, vous allez rire. Quand je l'ai pris, j'ai dit non, c'est pas vrai, Zora, tu l'as.
Il est petit. Je vais vous le mettre à côté de l'autre. Regardez. Il est très petit. Ne vous fiez pas à l'image. Il est très petit. Vous pouvez, par exemple, faire une mousse de foie, de volaille, une terrine, un pâté. Ça prête super bien. Là, je l'ai pris en forme de cœur. Celui-là, je l'ai pris en forme rond. Et celui-ci en forme de cœur. Sauf qu'il est très petit. Mais bon, c'est pas grave, c'est moi qui ai fait l'erreur. En cliquant sur le... C'est pour ça, faites attention. Quand vous cliquez sur les articles, relisez bien, regardez bien si c'est bien ce que les tailles et les dimensions, les proportions que vous désirez. Moi, pour celui-ci, c'est ça que je voulais. Mais pour celui-là, ben, en fait, j'ai cliqué, mais j'ai pas fait gaffe. Ça prend 100 grammes. Et celui-là, 250 grammes. Voilà. Et enfin, pour le dernier... comme j'utilise beaucoup mon Thermomix et comme je fais beaucoup, beaucoup de préparation dedans, surtout des viennoiseries, des pâtes, des pâtes lourdes qui requièrent, quand on veut retirer la pâte en soi, elle est très difficile. Donc j'ai ramené mon bol. Vous savez, quand vous tournez comme ceci, je l'ai lavé, donc il y a de l'eau. J'évite, voilà. Vous essayez de retirer, extraire la pâte. Vous savez, c'est dur à retirer parce que vous devez tourner, tourner, tourner. Eh bien, vous avez ce petit gadget. C'est une clé pour faire retirer la pâte. Donc, vous la mettez comme ceci et vous tournez. Et vraiment génial. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est adapté à tous les types de Thermomix. Ça va du TM31, je pense, au TM6. Ça veut dire même le TM5, il marche. C'est-à-dire que vous avez l'adaptateur ici que vous mettez, vous placez là. Donc, pour celui-ci, le TM6, voilà, vous n'avez pas besoin de rajouter ça parce que ça va directement. Et pour ceux qui ont le TM31 ou le TM5, ben, vous avez l'adaptateur qui est fourni avec dans l'emballage. Donc, vérifiez bien qu'il y a marqué adapté au TM5, TM31 et TM6. Et vraiment, vous mettez comme ceci, vous tournez et la pâte, elle tombe comme par magie. Vous n'êtes pas là à vous faire mal des doigts, à tourner, à tourner, à tourner. Vraiment, vraiment, plus que satisfaite de mes achats. Et maintenant, nous allons voir la deuxième partie de ma commande sur AliExpress. Je suis agréablement surprise. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer déjà par ces moules, ces fameux moules à tablette qui font fureur sur les réseaux. Moi aussi, j'ai été tentée. Du coup, j'ai commandé sur le site. Je suis agréablement surprise. Regardez-moi la qualité. Elle est magnifique. Donc, c'est des moules à tablette pour chocolat. Celle-ci, je l'ai prise à 2,59 €. Vous avez deux modèles. Vous avez d'ailleurs les modèles qui sont très tendance en ce moment sur les réseaux. Donc, je vais vous faire après, par la suite, des recettes là-dessus. J'attendais le moule pour que je puisse vous faire la recette. Et j'ai pris celle-ci aussi. C'est des petites moules à tablette. Regardez, le motif, il est très, très sympathique. Il y a 6 cavités, donc il y a 6 empreintes, 2,61 €. Et enfin, je vous ai pris celui-ci, qui est aussi une tablette. Par rapport aux autres, elles sont la profondeur est très fine, donc c'est des petites tablettes très très fines, et j'aime bien, franchement. Parfait, je vous ferai des recettes là-dessus. Puis, j'ai commandé... ce presse burger qui m'a fait de l'œil parce que comme je vous ai dit, je fais beaucoup énormément de recettes de burgers, des smash burgers, et la qualité est vraiment au top. Regardez-moi ça, il est vraiment grand pour bien presser vos burgers, vos grillades, vous savez, même sur la plancha, pour bien avoir ce côté bien cuit uniformément.
Celle-ci, vraiment, c'est en plus, c'est de la bonne matière, c'est de l'acier inoxydable avec la poignée en bois. Donc, vous ne risquez pas de vous cramer. Vous avez en bois et en plus, elle est vraiment, regardez, la main est très grande. Pris des gants en latex, c'est on appelle ça des doigtiers en latex, ils sont jetables. Il y en a 100 à l'intérieur, 2,37 €. Donc, quand par exemple, vous êtes coupé ou vous voulez faire des trucs qui vous voulez pas, par exemple, comme pour si vous voulez travailler du chocolat ou de la pâte à sucre et vous voulez pas avoir d'empreinte de doigts, ben, un protège-doigts est vraiment génial. Il est superbe. Ça adhère bien aux doigts. Donc, voilà. Et je vais vous mettre tous les liens des articles que j'ai achetés en barre d'infos. Comme ça, vous puissiez aller directement sur où est-ce que j'ai acheté les articles. Parce que vous êtes nombreuses à me demander, s'il te plaît, mais partage-nous les liens. Et là, maintenant, cette fois-ci, je vous les partage. Il y a un tablier, j'ai trop aimé le concept. Et c'est très joli. Un tablier floral en mode... Caroline Ingalls. Je vais vous montrer ça. Il est superbe, le motif. Là, vous pouvez essuyer vos mains. C'est une serviette en microfilm, mais elle est vraiment elle est agréable au toucher. Vous pouvez mettre aussi à l'intérieur, je ne sais pas moi, vous êtes là à travailler, vous mettez soit votre portable, bref, bon, c'est pas bien de mettre son portable à l'intérieur, mais bon, regardez au niveau... de la couture, regardez comment c'est comme à la Caroline Ingalls, Laura Ingalls de la petite maison de la prairie. Vraiment, ça m'a. J'ai commandé un, j'ai fait d'abord, je teste d'abord la matière en premier et après je verrai si ça me plaît, j'en prendrai un deuxième. Et franchement, il est super. Il est pris à 2,09 €. Vraiment, il est magnifique. Des spatules, un lot de spatules. Là, il y en a 3. Donc, elles sont petites, mais elles sont bien. La manche, elle est ergonomique et en bois. Et c'est de la bonne qualité. Donc, les 3 lots de spatules, je les ai pris 4,49 €. Et j'ai pris une grande spatule. Comparée à celle-ci, vous voyez que elles sont... Voilà. Celle-ci, 3,65 €. Franchement, c'est de la bonne qualité. Le poignet, il est fait en bois, en silicone. C'est bien dur et ça racle bien. Donc, voilà. Et ça fait très joli quand, ben, quand vous pâtissez. Alors, j'ai commandé un pot à miel. Je vais vous montrer ça. Il est arrivé bien emballé. Et c'est un pot en verre. Et il est bien hermétique avec son couvercle en bois et sa cuillère en bois. Vous savez que le miel, il faut pas le prendre avec une cuillère en métal. Ça détériore enfin toutes ses propriétés nutritives et qu'on trouve dans le miel. Ben, si vous prenez avec un couteau ou une cuillère en fer, ben, vous n'avez pas les bienfaits du miel. Et moi, le pot, il est juste magnifique. Vous posez ça sur votre table pour le petit déjeuner, ça fait son petit effet et c'est la qualité est vraiment au top. Et je l'ai acheté à 7,19 €. Une qui est venue d'ailleurs bien emballée, regardez, une planche à découper transparente. Vous allez me dire, elle n'est pas si transparente que ça. Si elle est transparente, c'est juste qu'elle a un film protecteur sur la planche, donc. Et elle est antidérapante parce que il y a les petites boules comme ça qui est fournie avec. Elle fait 45 sur 35, donc vous avez la façon, le mode d'emploi pour vous montrer que voilà, il faut le coller dans aux extrémités, aux quatre coins de votre planche. Donc ça, il faut l'enlever parce qu'il y a marqué Please remove the protection. Voyez. Déjà ici, je vais vous montrer. Déjà, je vais le mettre
Voilà, hop, bien ici au milieu. On va essayer de faire du à peu près. Voilà, là. J'espère que c'est au milieu. Et l'autre à l'extrémité, au coin. Comme ceci. Pareil pour le antidérapante. Voilà. Ici. Et on va essayer. Voilà, là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a les bords, voilà, qu'on peut poser au coin de notre plan de travail. Donc je vais retirer, je vais essayer de retirer. Voilà, je peux vous dire qu'elle ne bouge absolument pas. Et vous pouvez découper, c'est une planche transparente en acrylique. Et vraiment, vous pouvez découper, ça se lave très très bien. Et voilà quoi, c'est une grande planche qui fait 45 sur 35. Donc, Que c'est je, comme je vous ai dit, je vais vous mettre le lien pour que vous accédiez directement au site où est-ce que je l'ai acheté. Et bien sûr, je l'ai acheté à 12,39 €. J'ai commandé un vide ananas, c'est comme ça qu'on dit, un vide, et en même temps, il découpe l'ananas. Il arrive comme ça, en pièces détachées. Vous appuyez sur les côtés pour que ça rentre à l'intérieur. Et voilà. Et là, vous avez. Attention, ça, ah, c'est tranchant. Et là aussi, c'est tranchant. Du coup, vous avez. Vous coupez la tête de l'ananas et vous le rentrez. Et en même temps, vous tournez. Vous faites effet manivelle. En même temps, ça enlève le cœur de l'ananas et ça vous coupe. Ça vous fait des J'ai tranches. pris L'éplucheur et vide ananas à 3,80 €. Nous allons passer, comme je vous avais montré dans la vidéo juste avant, que j'avais commandé des produits, des accessoires concernant mon Thermomix. Et j'ai pris pas mal d'accessoires et vraiment j'en suis. On verra. Là, j'ai pris un set de nettoyeur pour Thermomix. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus, comment nettoyer à fond le Thermomix. J'ai pris ces petites brosses. Vous savez, avec la lame du couteau du Thermomix, on est là à galérer avec notre éponge à récurer. Franchement, ça, c'est génial. Et vous avez ce set-là. Surtout sur les côtés du support, du socle du Thermomix. On a du mal à bien aller dans les recoins, dans le trou du socle de la cuve du robot. Bref, voilà. Là, j'ai pris le set en entier, spécial pour Thermomix. Donc, ça va pour tout. Ça convient pour la gamme Thermomix. TM31, TM5, TM6 à 5,19 €. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Sachant que quand vous allez sur le site Thermomix, ça coûte une blinde. Et j'ai pris aussi pour le Thermomix, j'ai pris ces trois lames. Alors, je vous laisse aller voir le prix de ce. Vous vous rappelez, j'avais commandé sur Temu le couvre-lame, le couvre-éplucheur. Il est bien, mais c'était, on va dire, une imitation. Mais voici le vrai couvre-lame, c'est-à-dire il épluche vos pommes de terre, carottes. Vos fruits secs du style les amandes, les pois chiches. Voilà, vous avez le couvre-lame. Voilà, j'ai ramené mon bol de Thermomix. Je vais le mettre à l'intérieur. Et voilà. Génial. Et ça s'enlève. Ça se place et s'enlève. Vraiment, il est génial. Je suis plus que ravie de mes achats. Là, franchement, AliExpress, je crois que je le mettrai en premier avant Temu. Donc, voilà. Et c'est de la bonne qualité. Sachant que sur le site de Thermomix, je pense qu'il vaut 35 € si je me gourre pas. Il faudrait que je fasse mes recherches et je vous mettrai le prix sur la ici et vous allez voir que ils rigolent pas eux. Et là, franchement, regardez, c'est vraiment de la très bonne qualité.
Et le couvre-lame, Va l'éplucheur, je voir. l'ai Et acheté. celui-ci, je l'ai acheté à 7,79 €. Regardez le prix, combien il coûte en magasin boutique Vorbère. Et là, j'ai pris un disque aussi de cuisson. Et je vais vous mettre aussi l'insert sur la vidéo. Combien ça coûte sur la boutique Vorwerk. Ah, Vorwerk. Celle-ci, c'est pareil. Vous l'enclenchez dans votre... Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et c'est un disque de cuisson à basse température. Cuisson lente. Les cuissons sous vide. Voilà. Donc, quand vous faites, par exemple... un jarret ou que vous faites un pot-au-feu ou bref une cuisson très lente et très longue et vous avez peur de vous retrouver avec un hachis de viande, ben vous avez ce disque de cuisson aussi. Vraiment très très bien. Et d'ailleurs j'avais acheté aussi un espèce de pour mettre en bas à la place des couteaux. J'avais acheté aussi, je vous mettrai aussi le lien, là je ne l'ai pas sur moi, mais le lien de l'article pour mettre à l'intérieur et ça prend moins de place. Du coup, vous avez plus de volume et vous gagnez plus de volume quand vous cuisez. Ça se transforme en style, on va dire, en marmite à la place des couteaux. Donc voilà, je suis plus que satisfaite et ravie. Oui, je sais, je suis en train de me répéter, mais vraiment... AliExpress, pour moi, c'est une révélation. Niveau livraison, ils sont plus rapides que Temu. Donc, j'ai pris ce boîtier de, enfin, ce boîte de rangement pour réfrigérateur alimentaire. Vraiment. Il est juste magnifique. Regardez-moi l'étanchéité au niveau pour garder plus longtemps vos légumes, fruits et légumes. Et c'est des bacs. Parce que enfin, ça garde plus longtemps parce que bio fait des paniers fraîcheur. Donc vous lavez, vous essayez de laisser un peu juste essorer, vous les mettez à l'intérieur, vous fermez et vous rangez ça dans votre frigo. Ça prend pas de place. Et ce qui est bien, vous pouvez transporter en période de pique-nique. Bon, là, on rentre en hiver. Donc, voilà quoi. Mais quand vous voulez partir en pique-nique, vous avez déjà des rangements déjà préparés. La poignée, elle est ergonomique. Génial. Regardez en bas au niveau des stries. C'est-à-dire que les légumes et les fruits et légumes ne sont pas en contact avec le bas. Du coup, il y a une espèce d'aération qui se fait. Et franchement, moi, je suis... plus que compris au niveau. Donc, il y a deux sortes de rangements. Vous avez avec deux rangements et vous avez avec quatre rangements. Moi, j'ai pris le plus grand et je l'ai pris à 13,69 €. Voilà, je suis hyper contente. Contente pour tout ce que j'ai commandé première fois sur ce site AliExpress. La livraison, elle est au top. Ça va très très vite. Plus vite que Temu, parfois on commande et j'ai l'impression qu'il vient à dos de chameau, tellement c'est. Voilà quoi. Je critique pas en soi Temu, hein. Il y a aussi de bons articles, mais moi, ce que ils mettent beaucoup plus de temps que AliExpress. AliExpress, vous voyez, j'ai commandé des choses sur Temu, c'est bien avant AliExpress, bien avant AliExpress, et ils ne sont toujours pas venus, pour vous dire. Et les prix sont plus intéressants pour vous dire sur AliExpress que Temu. Je suis contente pour les moules à tablette. Donc je vais vous faire pas mal de vidéos là-dessus. Et bien voilà. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour que vous puissiez accéder aux articles que je vous ai cités. Et pour celles et ceux qui commandent la première fois, vous aurez 5 € sur votre panier déductible, n'importe quel prix que vous aurez fait dans votre panier, vous aurez 5 € de bon d'achat. Donc voilà, si vous passez par mon lien sous la vidéo et vous avez, comme je vous ai dit, chaque lien des articles cités sont sous la vidéo parce que vous êtes nombreuses à me demander, s'il te plaît, mets-nous les liens que tu commandes à chaque fois. Là, je vous ai mis.
Donc voilà, et eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez, je vous ai donné des idées d'achat. Et comme je vous ai dit, la livraison, elle est extrêmement rapide par rapport au. Elle reste, je peux vous dire que ça fait, j'ai commandé entre-temps celle-ci. Elle a fait 2 jours après que j'ai commandé celle que je vous ai montrée au début. Ben, elle a été plus rapide que la première, c'est-à-dire qu'elle m'a fait en moins d'une semaine, j'ai tout reçu. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Si ce n'est pas fait, rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.